Avec tant de réfugiés disséminés sur des centaines de kilomètres, il a fallu mettre sur pied un service spécial de santé. Des médecins font des tournées régulières. Les maladies les plus courantes sont le trachome, le paludisme et la tuberculose. Leur fréquence aujourd'hui a été ramenée à des proportions normales pour la région. Mais c'est là une longue bataille à mener, qui fait partie de l'effort nécessaire pour élever le niveau de vie général. En plus des services médicaux, une chaîne assez importante de dispensaires a été créée. Des infirmiers, des secouristes, formés sur place, s'occupent des cas ordinaires. Les cas sérieux sont vus par le médecin. Ici, les malades reçoivent également des soins et des médicaments. Ce service sanitaire est très apprécié par les réfugiés. Dans certains centres, on soigne journellement de 300 à 400 patients. Distribuer des dizaines de milliers de couvertures et des centaines de tonnes de vêtements usagés. Et pourtant... Une fois par an, on donne aux enfants une cachabia. Il s'agit d'un vêtement à capuche qui les tiendra bien au chaud. Avec la meilleure volonté du monde, il est impossible de faire comprendre à ces jeunes gens qu'il est inutile de se bousculer. Mais les enfants sont trop excités. Ils ont trop peur qu'en fin du compte, il n'y ait plus assez de cachabia pour tout le monde. Si quelque chose peut décrire l'extrême dénuement de ces enfants, leur dépendance totale d'une aide extérieure, c'est bien cela. Cette crainte de voir la générosité se tarir quand leur tour viendra. Myriam et son petit frère pleuraient à chaudes larmes pendant que les autres s'en allaient avec leur merveilleuse cachabia. Ils étaient les derniers. Mais il en reste encore. Pour lui, pour elle. Et maintenant, on sourit presque. Voici ce qui a été fait.